Permettez-moi également d'exprimer la reconnaissance de la nation aux 400 sapeurs-pompiers de Paris qui, au péril de leur vie, ont lutté contre les flammes avec sang-froid, avec méthode, avec précision et avec discernement. Le projet de loi précisera également que les Français qui effectueront un don pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris bénéficieront d'une réduction majorée de leur impôt sur le revenu de 75% jusqu'à 1 000 euros et de 66% au-delà de 1 000 euros. De leur côté, les entreprises bénéficieront des réductions d'impôts dites de mécénat dans les conditions actuelles. Nous ne modifierons pas l'état du droit en la matière. International d'architecture, portant sur la reconstruction de la flèche de la cathédrale, sera organisée. Avant le XIXe siècle, la cathédrale Notre-Dame de Paris n'avait pas de flèche. C'est Viollet-le-Duc, au XIXe, qui a choisi de construire cette flèche que nous avons vue s'écrouler dans la soirée de lundi dernier. Le concours international permettra de trancher la question de savoir s'il faut reconstruire une flèche, s'il faut reconstruire la flèche qui avait été pensée et construite par Viollet-le-Duc dans les mêmes conditions, à l'identique, ou s'il faut, comme c'est souvent le cadre et le cas dans l'évolution du patrimoine et l'évolution des cathédrales, doter la cathédrale Notre-Dame de Paris d'une nouvelle flèche adaptée aux techniques et aux enjeux de notre époque.